Salut à toi, c'est Emmanuel sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou? Ça va très très bien et toi? Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une decklist française et une très bonne decklist qui a perfé récemment dans un Magic Fest Online, c'est ça? Alors, ça a éclaté le ladder, ça a fait beaucoup de mal au Daily Qualifier pour Daily le Magic Fest Qualifier, ouais. Online, mais là aujourd'hui on tourne la vidéo dimanche matin et le jour 2 du Magic Fest Online n'est pas encore joué. Cependant, le deck le plus représenté de ce Magic Fest Online, c'est le deck qu'on va vous présenter, Lucas Deck. J'ai Incroyable. espoir pour que ce deck perf au Magic Fest Online à terme, ouais. Exactement. Alors, le petit deck Lucas, on va vous le présenter. Vous voyez qu'il y a d'autres, 1, 2, 3, 4, 5, donc vous savez peut-être ce que ça signifie. On va faire un petit point méta et parler un petit peu des 5 meilleurs decks, entre guillemets, en ce moment, en tout cas des 5 decks qui marchent bien, qui pervent bien sur le ladder, sur les Daily Qualifiers des tournois Channel Fireball. Mais pour que ce soit pertinent, on a besoin d'abord de vous présenter Lucas Deck, puisqu'ensuite tous les autres decks découlent un petit peu du fait que ce deck-là existe, notamment le deuxième qui est quasiment la même version mais un petit peu modifié. Donc on va vous présenter la decklist en mode deck tech classique. Hop là, c'est parti. Et ensuite, on fera le petit point méta, parce que si on fait le point méta d'abord, ça n'aurait pas été très Ouais, pertinent. c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de faire un point méta et de vous présenter les meilleures decklists, vous avez vu qu'il y a aussi des decklists qui ne sont pas là, comme Fire Cavalier, qui est un deck qui marche toujours, ou Temur Réclamation, parce qu'on en a déjà parlé dans le point méta précédent. Là, on vous présente les nouvelles decklists qui ont intégré le méta, parce que ce deck-là est apparu et que du coup, il a pris le trône. C'est le meilleur deck du format, le tier 1, et toutes les decklists dont on va vous parler découlent de cette puissante magie. Exactement, alors attention, les choses bougent très vite, donc si jamais vous voyez cette vidéo 3-4 jours après, il se peut que ce ne soit plus le meilleur deck, puisque les gens s'adaptent, les gens changent des decklists, etc. Mais au moment, en tout cas, où on tourne cette vidéo, et je pense pendant encore au moins 1 ou 2 jours, donc vous la voyez le lundi, logiquement, pendant jusqu'à au moins Ça devrait mercredi, aller. ça devrait encore être le cas. Mais même si de toute façon la méta change, il faudra prendre en compte ce deck qui est très puissant. Voilà. Peu Bien sûr. importe ce qui va se passer. Du coup, avant de commencer cette decklist, si vous voulez nous soutenir, toujours la petite page Utip. Également le code VALEPL 2020 sur la boutique Magic Bazar. On ne sait pas quand exactement il va changer. On vous avait dit que ça arriverait peut-être cette semaine. Finalement, ça changera peut-être un petit peu plus tard, mais ce sera certainement dans le mois de mai. Du coup, pour l'instant, de ce qu'on sait, il donne toujours accès à ce que vous voyez donc qui s'affiche à l'écran, donc le booster en fonction du montant de votre panier. Quand on saura la date, on va dire, où le code donnera autre chose, on pourra vous expliquer le changement. Et perso, on trouve que le changement est sympa. Voilà, on peut pas en dire plus encore, mais c'est une autre formule et c'est plutôt cool. Ça a Et l'air du cool. coup, si vous voulez nous soutenir également, il y a le code créateur Magic Arena FR sur Boutique Epic Game Store. Et merci à Magic Bazar d'être notre sponsor aussi. Merci beaucoup. Dès Fais un qu'on a les petit peu. infos, on revient vers vous, vous inquiétez pas. Exactement. Du coup, cette decklist, vous allez me dire, mais est-ce que c'est pas UI de contrôle déguisé? Mais clairement, c'est clairement UI de contrôle déguisé, mais pas que, puisqu'il y a quand même des petites dingueries. Ouais. On a ça, ces deux cartes-là qui sont un petit peu comme un cheveu sur la soupe et pourtant qui font l'essence de ce deck. Donc, deck Yorion en compagnon qui dit forcément 80 cartes, 20 cartes de plus pour pouvoir jouer Yorion. Et pas mal de trucs avec des effets d'arrivée en jeu pour abuser du coup de Yorion et même faire certaines boucles assez stylées. Je crois qu'on l'a pas encore présenté de deck Yorion Non, c'est le en premier termes de deck Yorion boucles. qu'on présente sur la chaîne. Exact. Donc là, si jamais vous voulez passer directement au game, ce sera plus tard dans la vidéo. Là, et on va prendre pas mal de temps pour expliquer cette decklist plus les autres. Donc je pense qu'il y a bien 20 minutes là, ou au moins un quart d'heure, on va tout présenter. Donc voilà, pour ceux qui On veulent est juste voir sur la un point game, méta. vous Ça y nous êtes. a été demandé sur les vidéos précédentes. On a décidé d'intégrer le point méta à une deck tech. Si vous préférez que le point méta soit dissocié et soit une vidéo à part entière, dites-nous-le dans les commentaires. Je sais que pour le précédent point méta, vraiment, ça a été énormément demandé. Je crois que c'est la première fois qu'on a un commentaire avec autant de Le pouces pouce bleus bleu. et de réponses dessous. Donc, vous voulez des points méta et vous en voulez des réguliers. Est-ce que vous voulez qu'ils soient dissociés ou alors dans la même vidéo? Ça, maintenant, c'est à vous de nous dire. On va écouter vos retours. Nous, on a décidé de l'intégrer directement dans ce deck-là parce que c'est ce deck-là qui crée le méta. Donc, ça nous paraissait légitime. Exactement, et on n'en fera pas à chaque vidéo, hein, si jamais on l'incorpore, ce Pas du sera tout. quand la méta Donc, la change, quand méta elle évolue. nécessite. Si la méta ne bouge pas, évidemment, bah, on ne représente pas les mêmes decks. Du coup, cette decklist un petit peu UI de contrôlesque qui va avoir pour but, en fait, entre guillemets, comme synergie principale, de pouvoir faire Fire pour pouvoir faire plusieurs plays dans le même tour qui sont très puissants, ça vous connaissez, on ne paye pas, on peut jouer deux spells par tour. Et Lucas, en fait, à quoi il sert? Il sert à faire moins 2, son plus 1 ne fera quasiment jamais de trucs, et son moins 7 ne tuera jamais d'adversaire dans ce deck. Son moins 2 uniquement, on exile une créature qu'on contrôle, puis on révèle les cartes jusqu'à révéler une carte de créature avec une convertie de mana supérieure.
et on la met en jeu. Et en fait, comme il n'y a aucune créature à part l'Argent Traîtrise, quand vous allez exiler une carte avec Lucas, donc que ce soit le mur de naissance de Mélétis, les tokens d'Augure du Soleil ou le Typhon de Requin, ou même un Argent Traîtrise d'ailleurs, ben vous allez trouver un Argent Traîtrise et exiler du coup, pardon, voler une carte à votre adversaire. Généralement un terrain, vu que ça arrive tour 5, c'est comme ça que vous allez gagner la partie. Ah non, vous ne pouvez pas exiler l'Argent Traîtrise parce qu'il faut que le coût soit supérieur, donc ça ne marche pas, excusez-moi. Mais ça marche avec tous les autres tokens et avec le Château d'Ardenneval, du coup, vous pouvez créer des tokens pour les exiler avec Lucas. Donc c'est plutôt sympa comme combo. On n'a pas de Tassa pour faire des blinks à l'infini, mais on a le Non. Teferi qui permet de faire des boucles avec Orion. Une fois que vous avez Fire, par exemple, ou vous pouvez le faire à la main, mais c'est plus sympa avec Fire, vous bouncez votre Orion, vous le rejouez, vous blinkez votre Teferi, votre Agent de Traîtrise. Fin du tour, Agent de Traîtrise, Teferi reviennent en jeu. Teferi du coup a 4 marqueurs loyauté, donc vous pourrez rebouncer tour d'après. Agent de Traîtrise refait son effet, vous revolez quelque chose. Et vous pouvez aussi blinker d'autres cartes pour faire plein de magie, comme la naissance de Mélétis pour C'est reset. une boucle qui marchait très très bien avec Elspeth Conquerdas à la base et que les Ouais. gens ont essayé de casser en plus en jouant Agent de Traîtrise. Mais ce deck-là, il y a une vraie chronologie à expliquer de pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à trouver Lucas dans ce build-là. Ce qui est super intéressant, c'est que ça fait 2 semaines que tout le monde joue Yorion. Alors pourquoi ce deck-là, on le joue que maintenant? C'est parce que bah, pendant 2 semaines, ça a été l'escalade à qui va faire les trucs les plus débiles avec Yorion. Au début, ça a commencé avec Elspeth Conquerdas, Teferi, Yorion, la boucle dont tu parlais, qui était la première boucle que les gens ont essayé de casser. La deuxième phase, ça a été de jouer Feu de l'Invention pour pouvoir bah, blinker ton Feu de l'Invention avec ton Yorion, dépenser ton mana derrière et donc du coup faire des power tours, comme on pourrait dire, des tours plus puissants. L'escalade supplémentaire, ça a été de jouer Agent de Traîtrise dans les builds parce que si la boucle elle marche bien avec Elspeth Conquerdas, autant la faire marcher correctement avec Agent de Traîtrise et pouvoir prendre les permanents de votre adversaire, notamment les cartes comme Elspeth Conquerdas. Et en fait, le next level qui a été trouvé par Elliot Bousseau, qui est un joueur français, un joueur professionnel français qui est passé top 1 du ladder mythique avec ce deck-là, c'est lui qui l'a créé. Bah, il s'est dit, moi je veux Agent de Traîtrise, mais je veux Agent de Traîtrise plutôt que mon adversaire. Quel est le meilleur moyen de faire agent de traîtrise plutôt que mon adversaire. Il y en a deux. Il y a jouer du vert dans Jeskai et du coup avoir une mana base un peu compliquée en quatre couleurs et en jouant des accélérateurs de mana avec spirale de croissance. Ou alors il y a jouer Lucas. Et bien Lucas, ça vous permet juste de faire agent de traîtrise tour 5. Et c'est pour ça que cette decklist est née et pour ça qu'elle a été créée et pour ça qu'elle est la plus forte. C'est parce que c'est le moyen le plus simple en standard qui est de jouer la meilleure carte actuellement, c'est l'agent de traîtrise, le plus rapidement possible. Et le cheminement de pensée, il est cool parce qu'on a vu que la méta, ça a été une évolution constante dans comment je fais le truc le plus débile. Et bah, le truc le plus débile à l'instant T, c'est Lucas tour 5 dans agent de traîtrise. Et c'est vraiment, vraiment cool de voir tout le cheminement qui a été amené avec les Yorion deck, quoi. Yep, Lucas me fait penser à un deck, à un Planeswalker de deck Planeswalker, quand tu regardes bien. Ouais, un petit peu, ouais. Sauf Sauf qu'il fait un effet polymorphisme. Polymorphisme, que c'est c'est une nice. carte qui a l'effet du moins 2 de Lucas et qui a souvent été jouée quand la carte existait. Et c'est vrai que c'est étonnant qu'on n'ait pas essayé de craquer un peu Lucas plus tôt, quoi. Ouais. On en parlait un petit peu dans le top 5 de Lucas, on disait que c'était le genre de carte qui allait permettre de faire soit des dingueries, soit qui ne ferait jamais rien. Et pour le coup, C'est bah là, ça. ça fait une dinguerie dans ce deck-là. Donc, pour le coup, il a tout à fait sa place. Et autour, du coup, on a un pack contrôle avec des Vras, donc bah, Teferi Narset, un classico. Teferi qui est surtout là pour la boucle, mais qui est surtout là aussi parce que il est très fort et qu'il y a des decks ré réclamations. Du coup, d'avoir 4 Narset, 4 Teferi, bah, ils sont pas contents, les decks réclamations. On a du coup la boucle qui peut être jouée avec Elspeth, parce que quand je vous parlais de la boucle, c'était pas que 2 cartes, vous pouvez avoir 10 cartes que vous blinkez, Bien qui sûr. reviennent, et faire de la magie. Et quand on parlait de dépenser sous mana avec Fire, quand on le blink avec Yorion, en fait vous pouvez dépenser votre mana avec Fire, c'est juste que vous ne pouvez pas casser plus de 2 spells. Et quand vous faites Yorion, je blink feu de l'invention, du coup vous avez déjà relancé vos 2 spells, par exemple en bounçant Teferi, en faisant un autre spell avec feu de l'invention gratuit, en bounçant avec Teferi le Yorion, pardon. Et ensuite, quand vous avez blinké le feu de l'invention, il n'est plus sur le champ de bataille, du coup vous pouvez jouer plus de sorts, vous pouvez jouer plus que 2 spells, en dépensant vos manas, et ensuite Feu de l'Invention revient, et tour d'après, vous pouvez continuer à faire de la magie. Donc c'est vraiment très très stylé comme pack. C'est. Ouais, c'est le tier 1 du méta qui oblige les autres un petit peu à le prendre en compte. Et là où UI Control était un peu trop faible dans la méta, bah, là, celui-ci, bah, déjà il y a Yorion qui amène une plus-value incroyable, et Typhon de Requin aussi, il y a quand même une carte qui fait extrêmement plaisir. Bah, pour vous expliquer à quel point ce deck est fort, à l'heure où on tourne la vidéo, le deck a été créé il y a 5 jours. Notez bien, il y a 5 jours.
En 5 jours, tous les top mythiques ont joué ce deck-là. C'est-à-dire que le top 10 mythique à la fin du mois jouait Lucas Deck. Et 91 decks pour le Magic Fest Online sur 400 joueurs sont des decks Lucas Fire. C'est-à-dire que le tiers-un dominant du format, un quart des decks joués au Magic Fest Online sont des Lucas Fire. Et ça, en 5 jours. C'est-à-dire que vraiment, on a trouvé pour l'instant l'interaction la plus forte du standard. Ce qui est quand même pas mal, quand on y pense. Carrément. Carrément. Par contre, et c'est là que le point méta va intervenir, il y a pas mal de solutions. Si jamais on veut battre ça, on en parlera juste après. Exact. Du coup, pour la mana base, bon, il y a beaucoup de landes. Je vous laisse de toute façon regarder en description. Toutes les decklists sont dans la description. On passe au petit sideo. Et le side, d'ailleurs, pour les autres decks, on le montrera, mais on n'en parlera pas spécialement, puisque vous avez les decklists en description. Et que là, le but n'est pas de présenter les decklists, mais juste que vous soyez au courant que ces decks existent et de leur forme en gros. Donc, dans le side, 14 cartes, puisqu'il y a Yorion. Enfin, 15 cartes avec Yorion, mais 14 cartes avec lesquelles on peut interagir. 3 cercueils de verre, parce qu'il y a quand même quelques decks qui essaient de vous prendre de vitesse, quelques decks aggro, notamment des decks Obosh, qu'on verra un peu plus tard, qui sont plutôt vénères et qui sont. Bah, quand on a 80 cartes et que 4 Vras, c'est un petit peu dur, les decks aggro à encaisser parfois. 3 Veto de Dovine pour les match-up Mirror et Contrôle. Bah, du coup, vu que c'est un deck Contrôle, les match-up Mirror. Dispute Mystique qui également bah, rentre dans le Mirror ou dans tout ce qui joue bleu. Et il y a quand même pas mal de decks qui jouent bleu, les decks Réclamation, etc. Ça, c'est la bête noire. Patron de guerre, avec la petite tech du patron de guerre, je te laisse en parler, Val. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que là, moi, j'ai choisi le side de Seth Manfield. Il y a plein de versions de Fire Lucas, toutes diverses et variées. Hein. Vraiment, tout le monde joue ça pour le Magic Fest Online. Tous les joueurs français ont décidé de jouer Lucas pour la plupart, avec des Fire ou sans Fire, on en parlera après. Mais là, la version de Seth Manfield, ce que j'aime bien, c'est que quand on joue en Mirror de Lucas, le next level pour battre le miroir, c'était de décider du coup, bah, c'est Lucas et c'est Fire. Donc, d'avoir un plan de jeu transformel et de rentrer bah, plein de contres et des patrons de guerre pour avoir un plan de jeu bah, comme on a contre les decks contrôle habituels. En fait, on devient un U-White qui a juste patron de guerre en début de partie et qui va rentrer plein de contres. Et donc, du coup, ce patron de guerre-là, vous allez me dire, bah, c'est un peu dommage parce que sur Lucas, si jamais tu fais son moins 2, si tu as des patrons de guerre dans ton deck, bah, tu vas pas trouver tes agents, tu peux trouver tes patrons. Mais en fait, on s'en fout, on va plus jouer Lucas parce que Lucas, il rentre dans les contres de ton adversaire en Mirror. Nous, on veut juste jouer à la main les agents de traîtrise, les blinker avec notre Yorion, jouer le patron de guerre, ne plus avoir de fire parce que ça nous empêche de contrer, rentrer tous nos contres pour dire non au fire, au Lucas de notre adversaire. Et c'est vraiment le plan de jeu après side qui a été trouvé pour battre le Mirror de Yorion, de Lucas Yorion en tout cas. Et ça marche plutôt pas mal. Et à la base, pour battre le Mirror, les versions Lucas Yorion ne jouaient que des contres en décidant leur fire. Et bah, Seth Manfield a été beaucoup plus loin. Il s'est dit, quitte à décider mes Fire et mes Lucas, et bah, autant rentrer des patrons de guerre. Et j'aime bien cette tech, c'est pas répandu. Tout le monde ne joue pas cette version-là. Moi, en tout cas, elle me plaît et je voulais qu'on vous présente celle-là, quoi. Exactement. Et puis du coup, le petit Midi Luna, il y en a un main deck, hein, ça permet d'avoir bah, un permanent supplémentaire suivant ce qu'on a besoin, ou de piquer des trucs. Et là, on en a un autre en side. Ça permet d'avoir plus d'agents de traîtrise. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas. Eh ouais, il y a un triome de... il y a des triomes de Kathriade, donc vous pouvez Bien sûr. même utiliser l'effet pour copier une bête et du coup, le faire qu'elle se batte si vous avez vos landes, vos sources de verre. Bon, c'est pas non plus une tech incroyable, mais ça peut arriver, donc c'est C'est gratuit nice. en fait. C'est gratuit, ça reste un Ouais. bilan un bilan d'Izzet qui peut te Exactement. faire du verre optionnellement. Donc ça fait quand même plaisir. Du coup, ça c'était le premier deck. On va passer à Lucas Fireless qui est, bon, on va passer très vite, qui est un petit peu le même deck, sauf qu'il n'y a pas Fire, bah, comme son nom l'indique, hein, Fireless, Ouais. au profit de Dispute Mystique. En gros, et je crois que c'est la seule Non, tu joues modification. des Veto Dovine. En fait, Ah, l'idée Veto dans ce Dovine, ouais. deck-là, c'est une tech des joueurs français, notamment de Thiago et Théo Moutier, qu'ils ont joué d'ailleurs au Magic Fest Online. Et pour l'instant, Théo Moutier fait jour 2 avec la liste. Bah, le but, c'est d'être pré-sidé contre le Mirror, sachant que c'est le deck le plus représenté et bah, les joueurs français l'avaient senti. Quitte à décider ton Fire après side, autant ne pas l'avoir, jouer un U-Wide Control qui a juste la possibilité de faire la combo avec Lucas et Agent. Et là où tu n'as pas Fire, bah, tu as le droit de jouer des contres. Parce que le problème de Fire, de Feu de l'Invention, c'est que tu ne peux pas jouer de contre pendant le tour de ton adversaire. Et que bah, du coup, une fois que tu as Fire sur table, même si tu fais des trucs débiles, bah, tu es quand même à la merci des trucs débiles de ton adversaire. Bah, là, ici, non, ton adversaire veut faire des trucs débiles, tu lui diras non. Et toi, quand tu as une fenêtre, tu passes ton Lucas et ton Agent. Et ça, c'est Yep. une évolution de la version Lucas. Qui est bien dans le Mirror, mais qui évidemment est moins fort dans d'autres match-ups où Fire se révèle très puissant.
Yep, hop là, je vous montre du coup le petit side qui est quasi identique finalement, avec juste des rafales d'éther, un cercueil de verre en plus, et le Midi Luna qui est passé en side. Tac, on passe au troisième deck, Obochu. Voilà, là, un petit peu le compétiteur. Obosh mono noir, du coup, mono noir aggro, avec le petit régisseur pourrissant qui fait plaisir, hein. 14 points sur Obosh. C'est pas mal, C'est pas surtout quand mal. t'as Ombre Lente pour piétiner et pouvoir passer les petits tokens de l'augure blanc que joue Lucas, parce que sinon bah, tu te fais juste Tu vas chum me bloquer bloquer, comme ouais. on dit. Et c'est un petit peu dommage. Et cette Ah, c'est decklist-là, bah, nice. c'est une réponse à. Comment dire? C'est le fait que les decks Lucas ne respectent pas tant aggro que ça. Bah, Obosh lui essaye d'en profiter avec sa version la plus désagréable, disons, la version mono noire avec plein de pâtés, essaye de mettre des points très très rapidement. Et j'ai mis la carte en photo qui me paraissait représenter le plus le deck. Et c'est Mesh, parce qu'en fait, Mesh, c'est horrible pour avoir beaucoup joué contre. Bah, quand ton adversaire il met du board et qu'il te fait Mesh, j'enlève ta Wrasse, bah, tu perds la partie, quoi. Et c'est là où le Ouais. deck est très fort. Et c'est 60 cartes, hein, donc c'est très redondant comme paquet, contrairement à des Décurions en 80 cartes, qui sont également redondants, mais qui ont parfois un petit peu de mal à trouver telle ou telle carte. Alors là, on fait toujours la même chose. En plus, avec des cartes comme Escouade Chuchotante, j'ai vu sur Twitter les gens qui en parlaient, ça, plus Bannière, bah, c'est fort parce que c'est une 2-1 pour 1 qui va chercher des 2-1 pour 1 toute seule. Donc en gros, pour une seule carte, pour un mana noir, vous allez potentiellement, avec la bannière, avoir 8 points de dégâts. Sur le board quand vous allez chercher les autres et tout, donc c'est vraiment vraiment très très bien comme pack. C'est pas juste all-in aggro et si ça passe pas l'un perdu, vous avez la carcasse qui revient au cimetière, vous avez le scorpion qui quand ça meurt fait un drain de vie 2, le cauchemar au rabais qui est une 4-5 menace pour 3, enfin quand vous mettez Obosh derrière, le truc il fait 8 points en menace quoi, pour 3 mana c'est quand même ultra vénère. En plus on a un peu de gestion avec la cavalière, franchement le pack est très nice. Et souvent on me demandait ce que je conseillais pour le ladder, bah, je parlais des decks Obosh parce que c'est un petit peu les seuls decks aggro, en tout cas au moment où on me l'a demandé, qui étaient viables. Et quand vous voulez monter le ladder, bah, vaut mieux prendre des decks aggro pour pouvoir enchaîner plus les games si les decks aggro sont jouables, bien sûr, plutôt que des decks grind. Même si les decks grind, vous allez peut-être avoir un meilleur win rate, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Alors que des decks comme ça, vous perdez, c'est pas grave, dans un quart d'heure, vous avez fini un autre BO, vous l'avez gagné et ça a annulé le truc. Donc voilà, ce genre de bail. Il y a un seul problème sur cette decklist-là, c'est que quand elle a émergé, elle était très peu attendue et les decks Yorion n'étaient pas préparés. La plupart ne jouaient pas 4 fracassements du ciel main deck et jouaient pas 4 cercueils de verre dans le side. Maintenant que la decklist est attendue, moi, pour respecter le match-up et jouer une version d'Yorion, ça va, ça reste acceptable. Disons que le deck est moins fort que ce qu'il a pu. Que ce qu'il a pu être il y a 2-3 jours quand personne ne le voyait venir et quand la version mono noire de Obosh n'existait pas, quoi. Maintenant que le Ouais. deck est connu, le win rate, c'est quand même pas celui de c'est quand même pas celui de Lucas Fire, quoi. Non, Attention. c'est sûr. Ouais. Non, bien sûr. Non, mais en termes de vitesse, quand même, bah, il y a de C'est toute un deck façon, unique. voilà, Voilà. il y a des sorties de toute façon qui sont, comme je disais, beaucoup plus redondantes. Donc, la plupart du temps, vous allez faire la même chose. Alors que les decks, si vous rencontrez beaucoup d'Urion, bah, ils ne font pas forcément tout le temps la même chose. Du coup, il suffit de les punir une fois, entre guillemets, et ensuite, vous avez 2 matchs pour en gagner une. Donc, c'est un truc que je recommande en tout cas si jamais vous hésitez, vous savez pas trop quoi faire. Et en plus, il coûte pas trop cher. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a aucune mythique même. C'est que des rares. Donc ça va. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de nouvelles cartes à crafter. Si vous jouez depuis un moment, vous avez surtout besoin des 4 cauchemars au rabais et du Obosh en termes de rares. Pour Donc ceux ça qui va. sont dans les rangs du ladder, je sais pas, silver, gold, vous allez monter très vite avec un deck comme ça, je pense. Par contre, en Yep. platine, en diamant, ça devient plus compliqué. Yep, passons au quatrième deck, Banturion Control. Ouais. Ça, Donc voilà. c'est l'évolution du deck Bant naturel. On avait déjà présenté la version de Piotr Glogoski. Et là, bah, la version, elle s'est orientée pour battre Lucas. Et elle le fait plutôt bien, étonnamment. C'est exactement le même parti pris que la version Lucas sans Fire. C'est-à-dire, bah, nous, on n'a pas Fire, on fait des trucs moins débiles, mais on va dire non à tout ce que tu proposes, quoi. Et là, la decklist, elle va en ce sens. Il y a des vetos, des rafales d'éther, il y a des neutralisations dans le main deck. On joue pas Nissa, on joue pas Krasis, on veut juste dire non à ce que fait notre adversaire. Et quand on aura une fenêtre, on lui piquera ses cartes avec Agent de Traîtrise. Ah ouais. Et ça perf plutôt pas mal là au jour 1 du Magic Fest Online. Ouais, bah on retrouve toujours la boucle, hein. Yorion, Teferi, Elspeth, Agent de Traîtrise. Et il y a Ouro aussi qui permet de bien tenir les match-up aggro en gagnant un peu de points de vie. Si jamais on arrive à le caster, il y a pas mal de matchs aussi où c'est très dur pour l'adversaire. Il faut vraiment le gérer parce que bah, une 6-6 qui fait piocher, gagner des PF tous les tours, c'est quand même vénère.
Et c'est vrai qu'on retrouve la shell un petit peu du. Une partie UI de contrôle et en même temps une partie bante mid-range comme avant, juste sans les Nissa Crasis, quoi, forcément, En fait, c'est juste un qui vont UI de dégager. contrôle qui a le moyen de tricher sur la mana, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, franchement, nice. Là, la decklist est très jolie en tout cas. Et neutralisation, Ouais, c'est puisqu'il peut se recycler. Donc, très très bonne carte en cas de Teferi adverse pour le coup. Tac. Ah, je monte le petit side quand même. Hop là. Est-ce qu'on a des dingueries dans ce side? Oh, les Chevaliers de l'Automne et le Tolzimir qui font coucou. Pas souvent qu'on voit ces cartes-là jouer. Bon, là, elles sont en side, hein, mais c'est quand même pas mal. Chevalier d'automne, ça a l'upgrade à la fois de détruire des enchantements, ce qui est très bien dans un méta où Fire est surjoué, et au plus de ça, en plus de ça, ça te donne un effet d'arrivée en jeu supérieur, enfin supplémentaire, pardon, quand tu joues Yorion. Ouais. Donc la carte se met très très bien dans le build. Oh, les effets d'arrivée en jeu, souvent on me demandait là, récemment en stream, genre comment savoir qu'une carte est bonne, etc. Ou comment builder un peu autour de telle carte. Et je parlais beaucoup des effets d'arrivée en jeu parce que quand ça arrive, ça fait son effet si ça n'a pas été contré. Et dans le méta, il n'y a pas beaucoup de contre. Du coup, c'est pour ça, notamment avec Teferi, qu'on voit beaucoup d'effets d'arrivée en jeu parce que c'est puissant et que souvent les cartes vont se résoudre en fait. Et ça tourne beaucoup autour de ça, je trouve. Et là, il y a carrément même des decks, comme les decks Orion, avec que des effets d'arrivée en jeu, finalement. Ouais. Jusqu'aux enchantements, tu vois, Elspeth Conquerdès, etc. C'est ça. Bah en fait, Yorion, il existe pour Elspeth Conquerdès et Teferi. T'as pas tant besoin de jouer énormément d'arrivées en jeu, juste d'en jouer des très bons. Et Elspeth Conquerdès, c'est très bon. Et cette chevalière, c'est un petit upgrade. Ouais, effectivement, c'est un petit upgrade. Effectivement. Non, quand tu vois des agents de traîtrise, pareil, arrivent en jeu, même des sagas blanches pour 2 mana arrivent en jeu, celle qui fait 2 tokens, pareil, tu vois, tout ça, c'est les trucs qui. Oui, ça fait leur effet au moment où ça se résout directement, et même si la carte se fait gérer ensuite, le mal est fait, c'est ça que tu veux dire. Voilà, et comme justement d'habitude, il faut prendre des trucs plutôt récursifs, plutôt value, parce qu'il peut y avoir des contres dans le méta. Là, dans le méta où il y en a beaucoup moins, parce qu'il y a Teferi, enfin, en général en tout cas, du coup, tu peux te permettre de jouer des trucs qui font des trucs une fois qu'ils sont là. Qui sont plutôt puissants, Ouais. quoi. C'est ça. De toute façon, qu'il y ait des contres ou pas, je veux dire, si ton spell se résout, qu'il soit grindy ou qu'il fasse un effet dès qu'il arrive en jeu, c'est mieux qu'il fasse un effet dès qu'il arrive en jeu, hein. Dans tous les cas, tu auras une value instantanée et on prend. Parce que justement, même avec la présence de Teferi, là, justement, le nouveau méta, il est en train de se remplir de contres à cause de Lucas, quoi. Ouais, c'est sûr. Et du coup, C'est ce ça qui dernier. est dans ce nouveau méta-là, c'est que si on peut pas faire plus débile que Lucas et actuellement on n'est pas capable, bah, on joue plein de contres. Bah ouais, mais de toute façon la méta elle est pas encore fixée, on a les résultats bientôt de différents tournois qui vont tomber, on verra si Lucas du coup est un petit peu indétrônable, et du coup c'est lui la méta, ou alors si il a été détrôné et quelqu'un d'autre prendra sa place. Sur le Tyramp, qu'est-ce qu'on en pense de sur le Tyramp, Val, dis-nous tout. Bah, sur le Tyramp, il y a plein de moyens pour battre Lucas. J'en vois trois grands. C'est mieux jouer le Mirror que ton adversaire. Donc jouer Lucas mieux que lui. Et donc du coup, bah, si tu joues le meilleur deck, mais mieux que ton adversaire, tu vas gagner. La deuxième solution, c'est dire non à Lucas. Donc avec des contres et l'empêcher de faire des trucs débiles. Il y a une solution, mais qui a été écartée, c'est faire plus débile que Lucas. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Et bah, la troisième solution, c'est jouer Victime de la Guerre. Victime de la Guerre, c'est une solution qu'on avait pris Ikoria pour les decks Feu de l'Invention. Parce que ça nous permettait d'accélérer notre mana et de casser bah, un Planeswalker, une créature, le feu de l'invention, le mana. Donc vraiment d'essayer de faire des trucs plus débiles que Lucas. Et bah, le but de Sultai Ramp, c'est un peu ça. C'est de dire non avec des contres, de jouer des actes cruels pour pouvoir casser le token en réponse au moins 2 de Lucas. Ce qui fait que du coup, bah, la capacité de Lucas ne se résout pas. Et donc du coup, bah, l'agent traîtrise ne viendra pas sur le champ de bataille. Dès qu'on a accès à 6 mana, et ça peut aller très vite dans un deck 60 cartes qui joue à la fois Uro et Spirale de Croissance, ça peut arriver tour 4, ça arrivera quasiment tout le temps tour 5. Bah, vous allez casser son Fire, son mana, et vous allez vraiment bah, prendre un ascendant très rapide sur la game, et puis ensuite vous passez une Nissa avec Krasis. Ça, c'est le plan de jeu qui marchait très très bien dans le méta d'avant. Et on voit ces Sultai Ramp qui sont en train de revenir en haut de l'affiche parce que c'est un match-up qui est pas dégueulasse contre Lucas Fire, voire même plutôt satisfaisant, quoi. Et qui a C'est un quand petit même peu. accès à une Vraas maintenant pour les decks Obosh qui jouent du coup impair et qui se font totalement pulvériser par ça, quoi. Tu vois, ce Obosh entier. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est Victime de la Guerre, c'est une des réponses aussi à Lucas Fire qui marche plutôt bien dans le format actuellement. Il y a pas mal de decks Sultai qui pop, il y a des versions Yorion Sultai.
Le problème, c'est que vous diluez vos cartes dans 80 avec Orion, et donc du coup, vous avez moins de chances d'arriver à victime de la guerre le plus rapidement possible. Et puis, je trouve ça très dommage, moi, pour ma part, de jouer Orion sans Elspeth Conquerdès et Teferi. C'est pour ça que je pense que la version Sultai stricte est mieux en 60 cartes. Par contre, si vous essayez de jouer Sultai avec du blanc, moi, c'est ce que je suis en train de rechercher de mon côté. Bah, du coup, dans Yorion, ça se met plutôt pas mal, quoi. Voilà, c'est ça ce paquet-là. Et le petit side du coup, pas de verre dans le side. Hein. Oh, distorsion des pensées, la bonne carte de tech hein, contre Emir Réclamation. Réclamation et à Lucas, en fait, ça a détruit tout le jeu UI Control de Lucas. Ouais, aussi, ouais, effectivement. Oh, c'est nice. Hein. Cette decklist me plaît. Allez, bon, toutes allez, les decklists. Voilà, on vous a fait un petit point méta. Tous les decks qu'on vous présente là, vous pouvez les jouer en ladder. Dans le haut ladder, vous arriverez à respecter le meilleur deck qui est Lucas et aussi à vous battre contre les autres decks. Il y a aussi d'autres decks qui participent au méta, on l'a déjà dit, mais qu'on ne vous présente pas parce qu'on en a déjà parlé dans le premier point méta. Ce sont donc les Rakdos Obosh, les Temur Réclamation et les Keruga Cavaliers. Ça reste aussi des decks viables, évidemment. C'est juste que ils sont pas nouveaux et leur construction ne dépend pas, leur apparition ne dépend pas du meilleur deck qui est Lucas. Et nous, on va partir tester ça directement sur le ladder, du coup. Exact. C'est quand même un endroit où il fait bon vivre, quoi. Je hais ce type. Je hais Lucetron. Ben voilà. C'est fou. À jouer Cycling, c'est le meilleur deck. Le mec, tour 5, il met 13. Eh ouais, je te l'ai dit, hein, c'est horrible. Hein. Moi, je me fais casser la bouche contre ça en ladder. Hein. Ouais. Et t'as passé une vrasse, quoi. Et j'ai passé une vrasse, ouais. Et une vrasse avant qu'il attaque. Donc vraiment, on était à 20. On est à 20 tour 5. On est à 0 tour 6. Et il a pas attaqué. Très très bon deck. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Respect. Du coup, si je faisais Yorion, je mourrais pas. J'étais à 2. Gan. Ouais, on mourrait pas, mais le but c'était pas de pas mourir, c'était d'essayer de gagner, tu vois. Je garde et je vire quoi. On mulligan ? Non, celle-là, on la garde. On la garde. Ça a coupé, j'ai mulligan. Ah, pardon. Et il faut enlever. Là, il faut un bleu pour jouer Narset. Si on en a pas beaucoup, je peux l'enlever. Poche, ouais, Narset, c'est la carte qui est le moins pertinent ici, même dans le match-up. Elle est nulle, donc. Ouais. Là, c'est vrai qu'avec les compagnons, on peut savoir, entre guillemets, contre quoi on joue. Et ouais, tu gardes vachement plus facilement tes mains, là, dans ce standard. Moi, je trouve ça trop cool, par contre. Ok. C'est un peu comme. Comme en EDH, où tu sais dans quoi tu as besoin de mulliganer, ouais. Ou même dans d'autres jeux de cartes, en fait, où tu as des principes de leader révélés. Le petit chat. Parfait. Ok, noise. Je vais pas recycler mon typhon de requin, je pense. Non. On pourra en tirer un peu plus de value plus tard. Ou la bannière. Et il s'est pas trompé incroyable, de couleur. Ah, lui, il joue Rakdos du coup. Chaque ah fois. Oui, c'est la version sacrifice, ok. Donc là, pour Avras. Si jamais il développe des trucs. Le problème, c'est qu'il joue pas la version mono noir, donc du coup, il est beaucoup plus résilient à Avras, notre adversaire. Ouais. Mais là, s'il fait Lando Bosch, je sais très bien ce qui va se passer. On va prendre 2000 déjà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux decks qui sont à 8-0 au jour 1 du Magic Fest Online. Le deck Lucas Fire, évidemment. Et le deuxième deck, c'est un Rakdos Obosh, comme celui qui a gagné le Magic Fest Online précédent. Ok. Ah, une autre bannière. Ouais. C'est vrai que plusieurs bannières, ça marche aussi. Hein. Fait une sortie d'une véhémence, gros. C'est méchant. Hein. Ah, je crois pas. Hein. Mais non. Ah bon ? Attends, on prend 6 là. Mais on s'en fout si on vrase derrière. Tu vas vrase ça ? Sachant qu'il va blinker son truc, donc tu vrases juste pour tuer Scorpion. Là, je peux double bloc Scorpion. Ouais, mais du coup, notre plan de jeu Lucas, il est fini, quoi. Ah bah, de toute façon, là, il faut juste tenir, hein, je pense. Hein. Moi, j'aurais vras. En fait, j'ai mal joué, mais... fait... Ouais. Non, en fait, là, vras, c'est, ça va faire le même résultat que ça, que Augur. Sauf qu'on peut plus... Cardes sont au Bosch, mais peut-être qu'effectivement, c'est trop compliqué de prendre 6 ici, ouais. Vas-y, ok, ça me va. On double bloque Scorpion. Ouais, du coup, ouais. Parce que si je bloque familier, de toute façon, sacrifie et on tue pas son Scorpion. Ah, je crois que qu'importe notre play, on est juste dans la sauce ici. Hein. On a 10. Un autre chat, du coup, il peut quand même continuer à sacrifier.
Bah du coup, je vais Vras quand même, je crois. Ça nous apporte quoi? Ça nous fait gagner 3 PEV. Fait gagner 3 C'est paix, peut-être ouais. pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ou alors, je garde pour descendre Typhon de requin. Bah, en fait, si tu vrasses pas, là, on est mort sur Obosh. Genre, il descend Obosh, il nous clean, il nous met 1 milliard. Et si tu fais Typhon de requin, on prendra que 6, on est à 3. On pourrait piquer du coup son avec Elspeth Conquérdes son Obosh, mais on est mort. Ah, je crois qu'on est mort, qu'importe ce qu'on fait en fait. Ah ouais. Je tente quand même ou Ah, pas? bah, en fait, ça fait quoi? Si on fracasse ici, dans tous les cas, il fait revenir un chat. Fin de tour, il nous mettra 3. Avec Obosh, il nous met à 3. Et derrière, bah, on peut gérer ou Obosh, mais du coup, on meurt sur son chat. Enfin, là, on est mort en fait. On peut retrouver Vras. Ah, on peut retrouver Vras, ouais, ok. Bah il va nous finir au chat de toute façon mais. Ça fait gagner du temps. Ah bah c'est marrant de me présenter le meilleur deck qui perd. En fait, c'est le meilleur deck pour faire pour battre Orion, en fait, pour grinder. C'est le moyen d'utiliser Agent Traîtrise de la meilleure des manières, mais effectivement, les gens s'adaptent et c'est très très bien. Ouais. Du coup, aggro is not dead, hein, quand vous voyez les deux decks qu'on vient de rencontrer là. On est à 2. On retrouve Vras. Incroyable quand Sauf même. que là, Isaac, il rejoue. À son tour, Isaac, il rejoue. On est mort quand même. On est mort. Ah, au point près, hein, par contre. Hein. Parce que là, tu vois, on refaisait Vras. Il est plus au Bosh. C'était Ouais, en plus mort. les versions de Bosch avaient un peu disparu au profit des versions mono Ah, bah noir, non. donc du coup on n'a pas de cage. On m'aurait ce tour-ci. Parce qu'il faisait sacrifice de Bosh. Je fais deux tokens. Et ensuite, il ramenait ses deux chats d'un coup. Ouais, évidemment. Encore Alors mieux. là, on veut Du coup, 3 on va faire un cercueils. cercueil et c'est tout. Ouais, on veut pas un mythe pour faire une bête qui bloque? Je pense pas, hein. Non, je Ok. pense pas. Qu'est-ce qui est mou? 4 Narset, ça fait rien contre lui. Les Narsets, ça fait rien du tout, ouais. Dans la screen. C'est pas mal, hein. Ok. En vrai, si on fait une sortie naissance de Meletis, c'est pas la même histoire, hein. C'est vrai qu'un 0-4 qui bloque, qui va chercher une plaine et qui fait gagner 2 pev, c'est pas mal. Grave. On J'avais n'a vu un pas de mojo. truc comme quoi, contre un deck aggro classique, genre comme ça, Naissance de Meletis tour 2, si vous commencez, ça fait gagner entre 8 et 10 pev. Pour 2. J'avais vu ça sur Ouais. Twitter. D'accord. Jouer en premier. Vas-y, vas-y. Enfin, on veut surtout que lui joue pas en premier. Ah bah c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Petit triome. Il y a un problème en plus, c'est que du coup, on a un side qui est très mal adapté parce qu'on laisse des cartes qui sont vraiment mauvaises dans le match-up. Genre, typiquement, Elspeth Conquérdes, ça ne pique que son Obosh. Et bah, du coup, on n'a pas envie d'en avoir 4 dans le. Tu peux jouer ton triome là plutôt. On n'a pas envie d'en avoir 4 et bah on est obligé d'en laisser 4 parce que le but de Lucas c'est de grinder les autres Yorion et faire un peu l'impasse sur les decks aggro quoi. Ouais. Est-ce qu'on veut bouncer un scorpion là? Rip. Ah, c'est la meilleure carte du deck, c'est Mèche. Ah, il a enlevé ça. Ah bah là je peux faire Land Engagé Naissance. C'est pas déconnant du tout, ouais. Vas-y, je suis chaud. Plus ce côté ferry sera pas ouf là. Alors, Plaine. hier, j'ai joué 15 heures en ladder en 2 jours. Donc, Ouf. un peu plus de 15 heures. J'ai fait plat 4 tout diamant en 2 jours. Je crois avoir fait plus d'un match sur deux, genre 2 matchs sur 3 des mirrors de Yorion. Et là, on tourne une vidéo ce matin et on prend deux fucking aggro quand même. Non, mais je tiens juste à le dire que ma vie, c'est de la Ouais, merde. Tu j'ai vois, envie de quand faire plein fire TF là. même. Ouais, c'est pas mal. Et bouncer ma naissance peut-être. Ou c'est peut-être Non, je fatigué. pense vraiment. Alors là, je pense que Ton t'es. jambeur, ok. C'est la naissance, ouais. Alors là, c'était juste pour dire aux gens, quand même, que on a une certaine chance lors du tournage de vidéo qui est quand même high level, quoi. Ouais, c'est vrai, mais ça arrive toutes les 2-3 semaines à peu près. La non-chat comme ça. Ouais, qu'on soit dans un spot. Mais vraiment, en plus, c'est que j'ai beaucoup de recul, quoi. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué en 2 jours, quoi. Et j'ai mes stats de deck rencontré et tout, et bah spoiler, des Obosh Rakdos, j'en ai pas pris un seul en 2 jours. Ouais, on prend celui qui Et comme traîne. le deck était à 0 hier soir, bah forcément les gens le jouent ce matin, quoi. Ouais. Oh, c'est fou. Ah, ça va très vite, hein.
Ben, Lucas Fire, ça a été découvert à 5 jours et il y a 91 copies dans le Magic Fest Online 3 jours plus tard. Ouais, donc ça va vite. C'est comme si les gens se tenaient au courant, c'est fou, hein. C'est incroyable. Là, je peux faire Land, Lucas, moins 2 sur mur. Alors tu vas faire Land Lucas, je fais agent de traîtrise, Yorion, agent de traîtrise, tu vas lui prendre un land et sa bannière, je pense. Oh, c'est bien ça. Donc je fais Land Ça a l'air engagé, pas là, c'est mal. ça? Ouais. Plutôt celui-là. Engagé. Oui, tu peux land engagé. Ah oui, comme ça on fera même augure. Oh, gros, on va le satel. Vas-y, land engage. Lucas. Lucas. Il vaut mieux faire. Non, Lucas d'abord. Ok. Les Lucas d'abord. Moins Là, tu 2. fais moins. Sur le mur. Sur le mur, ouais. Ah, oh, j'aurais pu attaquer avec. Pas du tout. Ça avait l'air d'être un bon plan. Agent On qui va lui prend piquer bannière. d'abord la bannière, je pense. Ouais. Bannière. Parce que c'est à Et la fois un Orion. mana. Maintenant, tu fais Yorion. Tu vas blinker ton Fire et ton agent de traîtrise. Agent Moi, traîtrise et j'appelle ça Lucas. le. Ouais. C'est la boucle. Mais j'aurais blinké Lucas aussi, non? Pour qu'il revienne avec 5. Oui, t'aurais blinké Lucas, évidemment, oui, je suis con. Fin de tour. Fin de tour validé. On l'aurait tellement défoncé, quoi. Là, ça, c'est ce que fait Yorion. Le truc le plus gras qu'il puisse faire. Mais c'est quand même nice de faire tour 5. Je mets une 4-5, une 2-3, je te pique deux trucs et un Planeswalker. Ça va? Ah bah, quand ça, c'est arrivé sur le ladder il y a 4-5 jours et que nous, on jouait juste des Yorions qui faisaient des boucles avec Elspeth Conquerdess, on était là en mode, mais what? Bah il faisait pareil mais en plus il te piquait des trucs. Ouais, c'était trop vénère. C'est bien ça non contre lui? C'est pas mal parce qu'on a Augure et Fracassement du Ciel, mais sur une sortie échafaud, on se fait def, quoi. Et je Ouais. pense que c'est... En fait le truc c'est qu'on ça va être dur d'avoir mieux. Je Ouais. pense. Il fait chat, est-ce qu'il fait four après? Oui, Faut je crois que tu mourir. veux sacrée tape pour pouvoir faire ch château de Ventresse dans Augure, Ah ça me oui, ouais, va. c'est pour économiser des PV, c'est mieux. Vous voulez pas vos agents de traîtrise en main dans le match-up, hein, genre vous en voulez Ah, même pas c'est trop dans le comme si on deck, avait quoi. Mulligan là. Mais comme on a Un Yorion, chat. c'est comme si on était une main à 7. Putain, tu dis, il faut pas qu'il fasse sortie chat four, il fait double chat four. Ouais. Alors Après, c'est tu mieux que préfères chat double double four. four que double four chat. Frère Augure. Dans La l'idée. partie va durer 17 minutes de plus du coup, grâce à ce four de l'envoûteuse. Ouais, c'est assez mal parti pour nous, quoi. On n'a pas trouvé de Burst of Mélitis, on n'a pas trouvé d'Augure blanc, on n'a pas trouvé nos cartes clés, et là, bah, typiquement, Vraas, ça n'impacte pas du tout son board. Non, pas encore. Après, il peut développer des trucs là et. Ouais, sauf bannière. En fait, il fait des trucs, il s'en fout de race. Donc c'est plutôt relou. C'est pas grave, on a montré ce que faisait Lucas. Imaginez dans les match-up Yorion ce que ça fait le tour qu'on a fait avec Lucas et Agent, c'est complètement démentiel. Il est bon. C'est la meilleure carte des decks aggro, c'est Mesh. C'est horrible. Il est Gros, je très très prenais ça bon. sur l'événement d'extinction. J'étais là en mode je vais brasser tout ton deck. Ah, Le en mec vrai, me disait Mesh, j'ai envie de chialer, gros. il a enlevé Vras, mais c'était nul là, donc. Ouais, mais tout le reste, tout ce qu'on a d'autre est encore plus nul, quoi. J'enlève les On a deux, une hein. bête? On n'a pas de bête. On n'a pas de moyen de générer des tokens, rien. Non, il faut trouver des murs, des trucs comme ça, hein, des Teferi. Vas-y, vas-y. Un land, c'est pas ça. Ah, ça c'est bien. Du coup, on peut faire land engagé ça. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est bien, mais là, si tour d'après il fait land au Bosch, on survivra pas, je crois. Hein. Ouais, on est mort s'il fait land au Bosch. Bon. Après, il a fait déjà une sortie de ouf. Est-ce qu'il va faire la sortie de ouf jusqu'au bout? Ouais. Enfin, je crois pas qu'on soit mort directement, mais on sera trop bas en PV pour stabiliser, je crois. Quoique. Bah en fait là on va passer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on passe à 3. Ok il l'a pas. Il sacrifiait 1, on passait à 2. Enfin on n'était pas mort dans le tour mais genre on était à 2 et il avait chafour quoi. C'était complexe. Enfin, là, sans Vraas, on va pas la gagner celle-là non plus. Ouais ça a l'air dur. Tu peux fetcher si tu le souhaites, histoire d'optimiser un coup. Ouais. Fetch, tu peux augure de la mer pour essayer de trouver un cercueil de verre, je crois. C'est le meilleur, ton meilleur out. C'est pas dit. Je prends Faut quoi que tu là? prennes une mana, tu vois, hein, par contre. Ouais, Si j'ai jamais on a Lucas. plus qu'un. Je crois que vaut mieux rien faire et Typhon de requin, ça mettrait une 2-2 et au moins je suis sûr de pouvoir gérer quelque chose. Parce que si je fais augure dans rien, je gère rien. Bien vu, t'as raison.
pense, hein. Comment? Je pense. Ouais, Si j'avais carrément. 5 mana, j'aurais même Typhon maintenant pour faire une 1-1 en bloc et peut-être avoir 2 mana pour faire Non, mais ouais, le je pense que c'est Supelu. mieux d'avoir Typhon qui va bloquer enjambeur, c'est un meilleur play, et notre 0-4 qui va bloquer Chevalier, je pense, de la Légion d'Ébène. Ouais. Au Obosh Rakdos, ça fait mal quand même, hein. Faut serrer le cucu. Hein. Ah, c'est pas facile. Hein. En plus, là, il peut scry pour aller chercher son land. Et il l'a pas trouvé parce qu'il est pas au-dessus. Enfin, il a pas gardé la carte. Ouais, s'il trouve son land, je pense que adios, hein. Bah on est mort, hein. On prend forcément 8. Ben c'est pas grave, gros. On va en relancer une, on va tomber sur un match-up qui nous sied. Tu veux essayer de lui dire non? Je sais pas, je vais voir si j'ai un truc qui fait quelque chose. Ah bah ça fait rien. Allez. On cycle à 0. Et en fait on concède. Ah. Bien joué. Bien joué dessus du pack. Allez, let's go. Allez, on est parti. Est-ce qu'on est capable de faire full lose avec le meilleur deck du format? Eh ben, ce sera une belle leçon. Bah, la leçon, c'est qu'il y a deux decks qui battent Lucas, c'est Cycling et Obosh Rakdos, c'est qu'on Ouais. les a appris sur coup, quoi. Après, le méta s'adapte, hein. Comme on dit, attention, le deck peut ne plus être top méta dans quelques jours. Eh ben, le temps qu'on finisse cette phrase, il était déjà attendu, tu vois. Ouais, il était Bonjour, comte sur attendu, mais il est Orion. attendu par des decks qui battent pas forcément les autres decks que bat Lucas. Donc c'est juste que là, on est juste dans le très mauvais spot, quoi. On est contre Orion, J'ai envie de garder parce qu'on a notre la boucle. main est chère parce qu'on a des Elspeth Conquerdes. Je Moi, crois je qu'elle est garde. gardable. Ouais. On a 4 landes, nos couleurs, Teferi. Enfin, on a la boucle déjà, hein. Teferi, Yorion, Elspeth. Carrément. Juste qu'il commence. Probablement un mort, hein, spoiler. Il n'y a pas beaucoup de gens qui testent d'autres builds de Yorion. Il y a Bant et Jeskai Lucas. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah non, lui il joue 4 couleurs ou alors il est toujours en Jeskai. Ouais, tu peux l'endétape. Il a pas des beaux landes en tout cas. Non, il n'y a pas les Bolands, En surtout qu'on reconnaît supériorité. pas les couleurs, donc c'est un drame. Moi je joue le Abzan et le Sultai dans mon deck 4 couleurs, et je ne dissocie pas lequel fait du bleu des deux, donc du coup des fois je reste veto up, mais sans bleu, et du coup je perds. Tu dis, je contre. Ah non. Il y a un mec, j'avais veto de Dovin qui me permettait d'assurer la victoire, et j'ai laissé le bilan d'Abzan plutôt que le bilan de Sultai dégagé avec un mana blanc. Et mon adversaire, il est passé sur mes landes, donc j'ai vu sa souris qui a fait land, land, land. Il m'a fait bien jouer et il a casté son spell qui m'a tué. Ah, c'est nice ça. Ouais, Il était un j'avais peu envie de. méchant quand même. Ouais, j'ai été très véhément devant mon Ah, bah passé. on peut pas nerf 7 là, parce qu'on n'a pas notre Non. deuxième bleu. Alors on peut Teferi, ce qui nous permettra de passer bah, toutes nos autres cartes. Ouais, Ce ou qui me alors va en. on peut augure fin de tour pour les tuer nerf 7 aussi. Je pense que Teferi c'est plus important pour passer toutes tes autres cartes, non? Ok. Ah, je n'ai pas joué de deck Orion. Enfin, j'ai joué un deck Orion. 4 couleurs sauf vert, Bolas, Planeswalker, dédicace à toi, Nouest. Et c'était bah, c'était bien, mais genre il n'y avait pas encore ça qui était sorti, donc Ah ben ouais. Non, je pense que Teferi maintenant aussi. qui aura sa sortie débile quoi. S'il l'a avant nous, bah tant mieux. S'il l'a après nous. Vu que maintenant vous jouez Hearthstone tous les deux. Ah, spoiler, t'es un peu en avance dans la sortie débile avec ton Fire. Ouais, mais il va faire le spet. Ouais, mais toi aussi t'as Elspeth. Ouais, mais ah, mais celui qui commence qui perd, c'est ça qu'on a dit. C'est celui qui commence qui perd, bien sûr. Moi, je Donc là, je peux faire ferais Fire, Fire. Narset. Narset. Oh, c'est pas mal ça. Ah, c'est In fine. pas mal. Même. Moins 2. Là, maintenant, vous jouez Ah, Hearthstone, bah, donc Lucas, superbe. faites des trucs débiles tous les deux, quoi. C'est vrai, il joue pendant mon tour, à toi. Ah non, lui, il peut jouer encore pendant. Ah, bah, non, j'étais Fire, donc il peut pas. Il est obligé de jouer pendant son tour également. Ouais, quand t'as Teferi en face, tu t'en fous d'avoir ton Fire. Ok, Fire, il va te faire Elspeth Conquerdes. Tu vas faire Elspeth Conquerdes sur sa Elspeth Conquerdes. Et bah maintenant, faut essayer de gagner à ce petit jeu-là, quoi. Yep, est-ce que je fais quelque chose d'abord là? C'est compliqué. Je peux faire moins Le 2. problème, c'est que nous, on va Elspeth Conquerdes, mais on gère pas son Fire, ce qui est un peu dramatique. Mais je Bah, je crois peux qu'on peut gérer rien y avec faire. TF.
Je crois que tu vas bouncer avec Tef, même si on pioche pas de carte, et Elspeth Conquerdes, c'est Elspeth Conquerdes. Je vais m'en donner 7 en premier, on est d'accord? Ouais, bien sûr, bien sûr. Allez. Ce qu'on veut de Lucas, je crois pas. Mendek, il n'y a pas de contre. Donc Non. notre Lucas, si on a le spot pour le placer, on le placera, pardon. Teferi ou Augur est meilleur là? Teferi peut-être? Prendrais Teferi, moi, ouais, mais c'est pas trop ce qu'on voulait dans tous les cas. On va Moi, je booster ferais ce moins 3 Fire. du coup de notre Teferi sur son Fire, exactement. Et je ferai Elspeth Banks. Conquerdes sur Elspeth Conquerdes. Hop. Et maintenant, à ce petit-là, on va voir qui c'est qu'on a le plus, quoi. Ah bah il va refaire Fire Elspeth Conquerdes. On a encore une en main. Le problème de Yorion, c'est qu'une Elspeth Conquerdes qui est sur le board, c'est une menace. Avant, une Elspeth Conquerdes dans la main de votre adversaire était une menace. Maintenant, si elle est sur le champ de bataille, bah, c'est une menace parce qu'il peut la réutiliser avec Yorion. Donc vous ne pouvez pas développer votre plan de jeu tant que votre adversaire a un agent ou une Elspeth Conquerdes sur le board s'il a encore Yorion en compagnon. C'est ça qui fait toute la puissance des decks Yorion, en fait. C'est vrai Ouais. qu'on n'en a pas parlé dans la présentation du deck, mais c'est la raison principale de jouer Yorion, c'est de rendre tes permanents menaçants, alors qu'ils ont déjà fait leurs effets d'arrivée en jeu. C'est horrible, horrible. Genre là, qu'importe s'il a un plan de jeu, il ne peut pas le développer tant qu'on a Elspeth Conquerdes. Je distrais Tu sais votre ce qu'on attention aurait voulu avec sur ce notre serpent de carte? neuf. Non. Fire. Oui, ce suite était bien. Ah, et il a enlevé quoi? Narset. Il a enlevé Narset. Quelle idée. Il veut bouncer notre ECD? Quelle idée Ah, il va saugrenue. Il va bouncer son bouncer son ECD. ECD. Ah, mais du coup, nous, on va bouncer son Fire. Et on a un Midi Luna pour avoir une Elspeth supplémentaire. Bah, passe ton Ben, Yorion ici, hein. je peux surtout bouncer mon Elspeth. Hein. Ah, bah non, mon Yorion, ouais, c'est bon, t'as raison. Là, tu fais plus 1 et tu fais Yorion. C'est bien ça. Ouais, bien sûr. Je comprends pas pourquoi il nous a laissé ce spot-là. Il est juste inconfortable pour lui. Je prends une spot TF1, ça sert à rien. Non, ça sert à rien là, ouais. C'est très inconfortable pour lui. Et ça nous permet en plus d'avoir une carte à sacrifier sur notre Lucas pour faire Agent Traîtrise le tour d'après. On vire quoi son fire? T'es obligé, ouais, sinon il va faire Elspeth Conquerdes into Yorion. Et Ce qui reprendre serait chiant. l'avantage. Les match-up de les mirrors de standard sont étonnants en ce moment, hein, je vous le dis. Hein. Là, on a notre boucle qui va casser. Hein. Je suis sorti de 15 heures de standard hier soir, je voyais des oiseaux, gros. Je voyais flou. Ah, Qui je gros, suis? c'était. J'ai jamais chargé mon cerveau comme ça, je crois. Oh, c'est biais. C'est étonnamment plaisant, mais je dirais que par contre, les games sont trop longues. Ouf. À la main, quoi. Ouais, il a plutôt raison. On va faire Midi Luna sur son agent. On peut faire Midi Luna, Yorion, je me bats contre ton agent. C'est bien ça? Non. Mais on peut le faire. Je crois qu'on va faire moins 3 sur notre Yorion et que tu vas Midi Luna son agent. Qu'est-ce que t'en penses? Ah non, je peux pas Midi Luna avec du Ah rouge non, mieux, mieux, d'hiverneur. mieux. Tu vas moins 3 notre Yorion. Alors attends, on le fait pas, hein. Mais on pourrait moins 3 notre Yorion pour le récupérer et Elspeth Ouais. Conquerdes son attaque. Qu'est-ce que t'en penses? Il est nice le spot là. Donc je fais moins 3 et je reprends mon Yorion, je le joue, je blink mon Non, Elspeth. ah ouais, bien sûr, et tu le rejoues et tu reblink ton Elspeth. Ah, mais on est trop bien, gros. Donc fait moins 3 Ouais. sur Lui, il a Yorion. pas dû jouer beaucoup de Mirror de Lucas, je crois. On pioche pas avec Narset, c'est pas très grave. Tu Yorion. refais Yorion. Ouais. Et on le remet On blink les dans le deux. Tsukuyomi. Le Genjutsu, la boucle. Oh. Je vais mettre ce petit Soka. conduit de vapeur. End of turn. Paf. On prend son agent. Ouais. Bah, tu peux pas lui laisser agent sur le board quand il a encore Yorion à disposition. C'est ça qui est horrible. Nous, on est chill là, on attend. Ah, le Genjutsu, il est formidable. Ah, j'adore. Il est pris dans Tu vas l'illusion. revivre la même journée pendant 72 heures, quoi. Donc pendant 3 jours. Ouais. Il en a encore un. Ben, on va refaire la même, hein, parce qu'il a pas l'air d'être décidé de prendre la bonne carte. Il prend Elspeth du coup. C'est un peu mieux du coup, mais pareil, on va moins 3 notre Elspeth Conquerdes et Elspeth Conquerdes son agent. Ah non, ok, il est malin cette fois-ci. Ah! On va Fire dans Lucas sur notre propre Yorion qui aura au préalable tué son Teferi pour pouvoir faire agent de traîtrise sur notre Elspeth Conquerdes. Est-ce qu'il y a une autre ligne? Il On est y trop a en main. Elspeth Conquerdes.
Enfin, Fire et le fait de conquérir Death, un des trucs. Genre ça, j'attaque Orion avec Teph. Est-ce que c'est mieux que la ligne Bah, Lucas droite entrée en vrai, avec moins 3 Midi de Teferi sur ECD et je le joue pour t'exiler Teferi, c'est bien aussi. Hein. C'est pas mieux de pouvoir développer nos agents quand on en a la possibilité? Bah, je sais pas, parce qu'en fait, il peut prendre nos agents avec son agent, et du coup, s'il a deux Et agents, nous, il fait on a encore Yorion. 8 Cardès. Si on est devant à la course, on va gagner. En fait, là, si tu fais Fire, Boons, je le rejoue, t'es dans le spot où c'est lui qui est pas bien, tu vois. Et toi, t'as pas joué des cartes de ta main. Je Ok, sais pas. vas-y. Vas-y, vas-y. Donc là, je fais moins 3 Le problème, là-dessus. c'est C'est que là là, notre on 1. est. En discuter à cause de la corde, donc fais ton play, vas-y, vas-y. Là, je fais ça. Là, je fais Fire. Moi, je mettrais 4 Bonjour. points dans son Teferi. Oui. Et là, moi, j'aurais Lucas Sanarset, mais toi, tu préfères faire Elspeth Conquerdes Sanarset? Ça me va hein, aussi. Hein. Ouais. Sinon, on peut Midi Luna pour avoir Narset, nous, mais bon. Non, ça, c'est pas très bien. Je crois que c'est pas mal ça. Ok, vas-y. Moi, ce que je préférais avec le spot Lucas, c'est qu'au moins on avait réussi à utiliser Lucas sur un de nos agents, alors que là, il va probablement nous gérer notre Orion, tu vois. Et du coup, Lucas, bah, ça devient une carte morte de notre main, alors qu'Elspeth Conquerdes, elle est jamais morte. C'est ça Ouais. l'upgrade de Lucas sur ce tour-ci. Ouais, après on pourra faire de toute façon Augur Lucas agent hein, tour Et ouais, prochain. mais du coup, tu utilises tes deux cartes dans le tour avec Fire. Ouais. Enfin, je pense que les deux lignes sont bonnes. Je sais pas laquelle est la plus a le win rate le plus haut, mais les deux lignes sont ok, tu vois. Il est obligé de prendre Fire. Ah, il fallait prendre l'Orion pour qu'on arrête de faire des du Genjutsu là. Ouais. Bah là non, on peut pas bouncer notre Orion, donc le Genjutsu est un peu stoppé. Bah, il sait qu'on a Teferi dans l'autre main, donc si. Ah oui, effectivement, effectivement. Ouais. Après, on n'a pas le mana pour faire. Il nous manque un mana pour refaire le Genjutsu, hein, par Ouais. contre. Ouais, mais si il a pensé à ça, il s'est dit, ouais, il perdra pas son mana. Ouais, c'est risqué. Ouais, il est quand même frêle, hein. Ouais, il est haro sur le baudet, comme on dit. Ah, bah grave. Parce que là, si on trouve mana, on fait Tef, Boon, enfin, 4 points, Boon C'est sur toute Orion. la dynamique de ces mirrors. Bah, étonnamment, oui. Alors que je pensais. Mais genre, j'aimerais pas en faire 15 heures en 2 jours, tu vois. Augure fin de tour, augure du soleil, hein. Ah N'oublie ouais. pas. Ouais, c'est très. Pour monter le ladder, c'est un peu frustrant. J'avoue que ça m'a pas fait tout le temps très plaisir. On peut faire Moi, plus 1. Je mets 6 points, je joue Lucas, j'enlève un token, je prends un ECD. Ouais, je suis d'accord avec ça. Plus 1, phase attaque. Je pense qu'on est dans le nice spot. Lucas. Ouais. Quand tu peux commencer à attaquer avec ton Orion, c'est que t'es pas si mal, quoi. Moins 2 sur un token. Ce deck, c'est quand même du gras en barre, quoi. C'est. Ah, on a peut-être même oublié des phases d'attaque avec le Yorion. Hein. Je suis en train de Je suis capter. pas certain. Il doit gérer à chaque fois. On a attaqué Teferi la game d'avant, l'attaque d'avant, je crois pas. On prend Elspeth là. Hein. Ouais, tu prends Elspeth, ouais. Ok, et on pourra faire même Augure de la mer. Ouais. On pourrait trouver notre land et potentiellement faire Teferi, Yorion, Genjutsu. C'est vachement mieux qu'une barre protéinée, Yorion Lucas, en fait. Hein. Ah ouais? Ah bah, Je l'ai pas. c'est plein de gras, quoi. C'est Mais une barre minimum protéinée, c'est il n'y a pas de gras normalement. si mais enfin c'est calorique quoi Ah oui, ah, ça nourrit bien. enfin je trouve que ce qu'on fait c'est complètement fumé débile en fait Je crois que je veux pas ces deux trucs-là. non, tu veux pas ouais tu veux un land dégagé tout au mieux Voilà, une plaine, c'est très bien. bah tu peux faire la boucle éternelle du Genjutsu de la mort qui tue Ouais, ça je va vais pas lui faire faire ça, je plaisir crois. spoiler. Faire ça, je vais poser ma plaine. Là, tu peux attaquer par contre avant. Ouais. Avec tout. Pan, pan, pan. Il y a un Là, beatdown hein, tu quand même. Hein. as tout ton board, gros, c'est complètement Là, débile. je fais Teferi, oui. Je veux garder lui. Je veux faire moins 3 sur Yorion. Oui. Mais qu'est-ce que le standard a créé, mes amis? Yorion. Et là, on bounce. Enfin, on blink. Agent. Augure, augure, Ferry, Teferi. tous les omens. Ah, il est pas à nous, donc on peut pas celui-là. Non, il n'est pas à nous le CD, donc tu peux pas. Donc on C'est pas fait très grave. OK. Spoiler, on s'en cague. Pan, 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 pan.
tout revient. Pam, 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 pam. On fait deux tokens. On va voler ça. Ouais. Ouais. Et là, il est dans un genjutsu, mais qui est encore plus douloureux que le genjutsu d'avant. Et on a petit typhon de requin qui tuera juste en mode je fais fin de tour et je te tue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec un lancet, ouais. Nickel. Parce qu'il peut quand même juste vrasse là. Il n'y a pas. Il se débat, quoi, mais... Ça y est. Il a compris. Ça y est. Il a exilé Orion. Bah, 5 points, on va. Elspeth, on va. Agent de traître. Oh là 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 là, c'est dégueulasse. Loyauté. On va garder celui qui est à 5. Hein. Ouais. C'est à qui, bah, ça agent de traître. C'est à Gion. Tu peux jamais lui laisser Elspeth Concardès tant qu'il a Orion. Donc là, je fais agent de traîtrise pour lui piller, c'est ça? Ouais. Allez. Donne-moi et ça tu à toi. Moins 3, c'est deux agents de traîtrise, celui qui peut pas attaquer, celui que tu viens de jouer. Cinq points. Oh là 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 là. Cinq points. C'est vraiment débile comme jeu, putain. J'ai pas besoin de deux mana, donc engagé. Bah, c'est débile, on a dû fumer un peu le cerveau pour... Ouais, c'est pas comme si c'était autopiloté non plus. Non, non, pas du tout. Bah, les mirrors le sont pas, en tout cas. Par contre, et c'est la une. Mirror, un petit, laisse-moi te dire qu'il rentre dans le genjutsu, mais en mode... Et ça, c'est la... C'est la une, Val. Ouais, mais la 2, elle est mieux, parce que la 2, on a des contres. Donc, ah. On a un plan de jeu qui est beaucoup plus dynamique, où on va pas juste... Bah, je te pique ton ECD pour pas que tu fasses des bêtises, je te pique ton agent pour pas que tu fasses des bêtises, et c'est à qui a le plus de réponses. Non, après, en game 2, du coup, on a des contres, on a des warboss, on a un autre plan de jeu, quoi. Allez, concède, Guillaume. T'as perdu. Gion. Oh là là. Il se bat. Ah, il se bat, hein. Mais il se bat mal, quoi. Les se bat mal, c'est les petits trucs verts, là, dans DB. Mais non, c'est les Saibaman. Ok, donc là, c'est 3 disputes. Ouais, 3 veto. Midi Luna. Yeah, Luna, pas trop. En fait, c'est un side quoi. Enfin, c'est un side pour le mirror. 4 fire. Les fire? On enlève? Ah, 4 fire. Oh, ah, bah, si tu veux jouer les contres, tu veux plus tes fire. C'est fou. Et moi, j'enlèverais bien une vrasse. Ah, putain, oui, il faut enlever des vrasses, ouais. Enlève deux vrasses. Ah, bah, remets une naissance. Mets un cercueil. Cercueil de verre, ça attrape ses tokens, ça attrape les trucs de Sharknado. Mets deux cercueils. Je mets deux cercueils. Je remets une naissance. Enlève toutes les brasses. Hein. Ah, toutes les brasses, j'en laisse même pas une petite. Bah, elle sert à quoi? Je sais pas. Fou. Sans cag. Hein. Je pense pas qu'il aura le plan de jeu Warboss, c'est un peu next level pour l'instant. C'est pas moi qui ai les réponses, Val. Moi j'ai la souris. Moi j'ai les questions bah, et la souris. Le plan de jeu Warboss, à part cette Manfield, y a pas beaucoup de mecs qui l'ont, donc. S'il l'a, bah il est cool. Il est fort. Écoute, y a pas beaucoup de mecs qui jouent au Bosch les deux derniers jours, et là. Ouais, on là on s'est surpris. Regarde. Mulligan. C'est de la merde aussi, hein, gros, mais. Ouais, après on va enlever un agent, donc on aurait une carte morte de moins. Ouais, mais disons que naissance et typhon, c'est complètement pas pertinent dans le plan de jeu, mais je crois qu'on peut pas faire mieux, donc. Tu veux dire que c'est complètement broken? Pas du tout. C'est cassé, mais nous ce qu'on veut là, c'est des contres et des warboss. Et c'est déjà pas mal. Ouais. Ah, on va faire des trucs bien avec cette main là. Tu penses? Oh là là, Midi Luna, parfait. Midi Luna, c'est pas mal. Engage. Oh, si on lui faisait Warboss tour 3, il aurait été là en mode. Tour 4, on va faire un typhon de requin. 2-2. À la fin de son tour. Et il pourra rien y faire et on va le tuer avec. Eh, c'est vénère en vrai. Hein. Je te promets. Là. C'est un vrai plan de jeu. Hein. De toute façon, quand t'as pas de plan de jeu, tu te raccroches à tout ce que tu peux, quoi. Tout ce qui ressemble à une ligne de play, tu prends. On prend. J'ai cru qu'il allait contrer ta naissance. Un peu agressif, ça, monsieur. Si jamais le match devient un peu chiant, Val, je pourrais te parler d'un truc que j'ai découvert sur YouTube. Tu m'y fais penser? Ouais, bien sûr. Alors après, je suis pas sûr que le match soit très chiant, mais tu me dis. Si tu sens que ça commence à être ronflant, j'ai découvert instant quelque chose, c'est formidable. Ça marche. Plus zing.
Là, tu vas lander une plaine pour recycler ton triome, je crois. Bien vu. J'attaque ou pas? Lol. Ouais, vas-y, hein. Marqueur honte. Mets-y des points. Mets-y tout. La boîte et les clous. Oh là 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 là. Le bon Ah, mais play. nous, on n'a plus Lucas, il est pas au courant. Haha, on le brain. Et là, il fait je ne pourrais pas me prendre ce combo. C'est un méchant de Mickey Larson, Oui. Et je vais Guillaume. l'appeler Et Gion parce que ça l'énerve. Allez, on recycle. elle ne savait pas que j'avais tué son papa. Il a la mammouth, la mammouth. On gagne 2 PF, c'est quand même pas mal ça. Et Et on a là, une dispute qui sert à rien. quoi qu'on Tu peux joue? miner Yuna son Teferi si tu le souhaites. Je crois pas que ce soit Alors. très bien. Non, je pense que le plan de jeu Typhon, il est bien, celui que tu m'as dit. Ouais. Hein. Bah, Vas-y, plein go. go. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on lui donne pas de cible à Elspeth Concardes, donc on est pas trop en galère là pour l'instant. Par contre, s'il fait augure dans Lucas, ça va commencer à puer, quoi. Il manque un mana rouge. Ouais, ils l'ont L'a-t-il? toujours. Oui, je pense. Attention, Val. Oh! Il peut toujours fire, attention. A pas de mana rouge. Hein? Ouais, mange-en avec ton typhon. Ah ouais? Ah bah oui, de toute façon, tu peux pas contrer, donc. Oh, j'y vais. Ah ouais. Ah, je voulais vraiment le garder en fin de tour en mode surprise et que je commence le beatdown, tu vois. Je Bah, l'éclate, le ça type. sert à rien, parce que de toute façon, il peut pas y répondre et toi, tu peux pas répondre à ce qu'il fait. Si, il a un tricks de combat, Val. Comment je Ah, si fais? il en a pas, je pense. Va-t-il faire fire Lucas? Il fait Yorion. Yorion, Yorion, petit patapon. Nous, on peut faire Ouais. Argent Traîtrise. Pas du tout. Non. C'est bizarre, Yorion, mais je comprends. Tu peux plus beat donner avec ton 2-2. Je peux Medjiluna le Tef, moins 3 Yorion. Et. Ouais, mais c'est pas bien, parce Mais que c'est du pas coup, lui, il est ouf. très content d'avoir son Yorion dans sa main, quoi. Mais non, parce qu'après, on va le discard. Non plus. Non. Aïe 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 aïe, ça sent pas bon. Quoi qu'on fait. Ah, je peux pas faire Medjiluna? Non, t'as pas de bleu. Ah oui, non, c'est parce qu'il manque un bleu. Je crois qu'il y avait un truc qui m'empêchait. Je crois que ton plan de jeu, c'est Augure de la mer là. Maintenant? Le plan de jeu. Ouais, bah tu Ouais, pourras bah, pas pas prendre. pendant son tour, de toute façon. Non, non. Non, non, non. Ah! Et tu peux land tap, quoi. Lourd, hein? Trop vénère, quoi. Ah non, j'aurais Après, dû non. land d'étape pour Scry 2. Ah, fuck! Ils vont prendre Teferi. Enfin, non, quoi. Juste non. Bah, 4 veto et 4 disputes, il n'y a pas de Teferi, quoi. Pas normal. On a 3-3 ou 4-4? Fuck! De quoi? On a 3-3 ou 4-4? Comment ça on a 3-3 ou 4-4? Ah, je crois qu'on a 4-4 après ça. Ok. Oh là, il me donne des 1-1 gratos. Pff, il est fou. Mais il est fou, ce type! A plus de chances d'avoir une réponse à son Teferi que lui d'avoir Teferi, si tu comptes la dilution dans les 80 En tout cartes. cas, ouais. Ah, je me demande ce qu'il va faire là avec son Yorion. Ah, j'ai une vague idée, moi. Il nous met dans un Genjutsu, mais qui est quand même vachement plus sympa que celui dans lequel on l'a mis tout à l'heure. Il a enlevé ses sources de rouge, Val. Il est encore plus next level que nous. Nous, on enlève Lucas. Lui, il enlève les façons de le cast. Gros, il a un marais dans son side et il joue des voleurs de sanité après side. The boss. The war boss. Ziwar, The world. là, on peut faire une 4-4 qui ne passe pas Yorion, donc c'est quand même bien. Ah, mais on peut double trade sur Yorion, ça nous sort instantanément de la boucle du Genjutsu. Quel est ce Et. Teferi? Non, on va double trade son Yorion et le tour d'après, on pourra lui proposer Agent de traîtrise. It's a big plan, t'inquiète. Waouh, lourd, hein. C'est vraiment du gameplay passionnant. Ah là, tu vois, je suis pas loin de te parler de ce que j'ai découvert sur YouTube. Hein. Et moi, je trouve que c'est sympa, c'est intéressant. On essaye de comeback dans une partie désespérée. Oh Allez, vas-y, putain, Typhon. j'ai failli passer là. Ouais, t'as failli niquer mon plan. Du coup, tu fais ça, ok, je le fais pas.
Voilà, perdu. Ah ouais. Bien joué. Ah bah c'est bien. Ah là, tu vois, là, il est déçu, là, ça l'emmerde, ce que t'as fait. Non, il fait. Oh non, je vais me faire double bloquer. Allez, double bloque le Yorion. Oh, on a une source de rouge, on s'en fout. Tu sais que depuis tout à l'heure, je me dis, ah, ce serait bien d'avoir deux sources de rouge pour Lucas quand même. Alors qu'il est plus là. On joue U-White War Boss après ça, j'adore. Moi, franchement, je kiffe. U-White Boss finalement. Oh! U-White Boss, ouais. Mais pourquoi il n'y a pas tué le 4-4? Ne pose pas de questions, PL. Ça ne nous intéresse pas. Alors, je pense qu'il veut moins 3 avec son père. Mais tant mieux, hein. Il le met bas, quoi. Est-ce Et que nous, on tu va dirais même encore t'effondrer. pas? Oui. Il est en train Qu'est-ce qu'il d'accoucher. Bah, fait? nous, Patrice, ça. C'est nul à chier, mais. Pourquoi? Quoi? Bon, bah, vas-y, hein, pique-lui son aspect de Concardes, quoi. Attends, quoi que non, tu peux Alors, je même. fais Médiluna. Son aspect de Concardes, je dirais, non? Ouais, Ça c'est nous mieux. permet de faire ça et d'avoir Teferi, c'est ça? Ouais, c'est mieux. Ouais, et je boost le token, comme ça j'ai un aspect de Conquérdez dans la main. Et non, c'est pas Hearthstone. Ah, ça marche pas. Bah, vas-y, je crois que c'est notre plan. Attends, attends, passe ton Teferi avant. So please. Oh. C'est mieux de bien jouer. C'est mieux de bien jouer. Ah C'est ouais, bien c'est vu ça. mieux. Mais moi, j'aime très souvent mal jouer, hein. J'adore. En fait, moi, j'adore faire le truc dans l'autre sens. Comme ça, je me dis, Ouais. bon, de toute façon, ça passe. Il l'a pas. On Et sent là, il a le contre et je fais, eh merde! Bon, bon, bah, il Résolution, va on paye pas. Refuser. refuser. Et là, on va Midi Luna. Et du coup, on a tombé la dispute pour pouvoir faire agent de traîtrise derrière et reprendre le board. Oh, c'est bon, ça, quand même. On va Putain. copier ça. Tu sais que là, nous, on a notre Et Yorion on et lui pas exile lui. ECD. Traîtrise et pas lui. On est presque revenu dans le game. C'est ça la Vas-y, cible, vas-y. hein. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on a Yorion et lui non. Et on peut blinker Eh ouais. ça. Et comme ça fait rien. Parce que c'est un Non, token. ouais. Je crois pas blinker ça. Jeton enchantement saga. On voit pas souvent ce type. Bon, faut pas qu'il ait d'autres contres dans la main. Ah. Il connaît pas la Ah. tech. Mais du Il coup. connaît pas. Et du coup, ouais, on n'est pas très très bien, quoi. Oh, si on avait un petit token, on aurait fait agent. Je prends ton Lucas, moins 1 sur un token, et je te fais agent. Oui, c'est vrai. Ça aurait été bien. Du coup, on va faire quoi? On va agent sur son Lucas? On n'a pas le choix. On est à 6 aussi, hein. On est à 6, ouais. Après, on peut perdre cette partie aussi, hein. Bah, C'est nul. si on lui laisse Lucas, il va le refaire. Ouais, donc il faut lui prendre son Lucas. Et Faut en prendre plus, le on a un Lucas. bloqueur, ça va. Easy. Large. Encore un contre? Et bah, c'est la Allez, il m'a concession. bandé, lui. Gion. Sans déconner. Merci, le veto de Dovine au tour 9. Ça fait plaisir. Allez, on garde. Vas-y, C'est go, hein. parti. En vrai, si on se dit qu'on piochera pas les patrons, on peut remettre Lucas. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu rigoles, mais en vrai, c'est l'idée de cette manfil, mais peut-être que c'est lui qui a tort, hein. Sinon, on peut juste mettre Lucas et Patron, comme ça, au pire, on a de la chance, c'est cool. Sinon, tant pis. Oui, c'est vrai. Mais enfin, c'est un peu horrible quand même, hein, quand t'es dans le spot à vouloir patron. On Je crois peut qu'il faut la contrer garder Tef. sur la teuf, quoi. Allez, on garde. Enfin, même si cette manfil a tort, il fait jour 2, donc il a Il a pas tort en trop. gagnant. Donc, Ouais. généralement, quand on a tort, on gagne pas trop. On gagne moins. Après, quand t'es très très fort, tu peux avoir tort en gagnant, je t'assure. Oui. Oui. Oui, monsieur. Oui. Oui. Ah, tu vois, je crois que même si on la perd cette game, bah, elle est grave Oh! intéressante. Oh. Château, Oh, mon patron. petit pignon. Oh, Château, château patron, on patron, ouais. dirait un très bon vin. Le château patron. Ouais, vas-y, hein. Je vais prendre le château, patron. Et là, il fait Et là, dispute pour un mana bleu. il dit, wow, next level. Qu'est-ce que ce patron de guerre fait là-dedans, quoi? Et on est là. Non, Il dit, mais du coup, avec son Lucas, que va-t-il bien pouvoir aller chercher? Il n'y a pas de Lucas. C'est fini, Lucas. Bon, peut-être que en fait les patrons c'est bien que sur le play et que sur la draw fallait laisser.
Peut-être. Je sais pas. Oh là là, le Teferi qui est donné ici en pâture. Et en oui, pâture. Le donne. Et nous, on va pouvoir faire patron avec dispute. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, les réjouissances qui arrivent là. Alors là, c'est château. Ouais. Patron avec dispute. Dispute. Nanana. Un là-dedans. Et spoiler, il a enlevé ses brasses. Hein. Oh. Franchement, dans les commentaires, merci cette manfile si on gagne cette game. Merci cette manfile. Un max de GG pour cette manfile dans les commentaires tout de suite. Les gens se disent super, qui est-ce? C'est un joueur. Et il joue. Et il est bon. Et il joue bien. Ah, je sais que dans les commentaires, les gens vont dire oh, c'est quoi que PL voulait dire là si jamais la game était chiante. Je vais dire dans une autre vidéo, les gars. J'ai envie de dire rester connecté. Oh, et là, on a dispute pour invalider tout ce qu'il souhaiterait faire. Ok, je crois. Ouais, j'ai pas envie de disputer là. Ouais, ouais, tu le gardes, tu le mets on top et. Il a fait en réponse au trigger, comme ça, on a quand même le token. Comme ça c'est bien joué ça, John. D'ailleurs, j'aurais pas attaqué avec tout parce qu'il aurait pu faire. Je recycle Typhon. Ouais. Bien vu, t'aurais pas attaqué avec ton Warboss. Là, on fait land. Je crois que je peux le land engager pour faire le. Ouais, tu peux le ça. Ouais. Ok. On pourra midi Luna notre patron de guerre Val. Comme ça, ça fera. Et on pourra midi Luna sur midi Luna pour faire plus de patron de guerre aussi. Hey, ça marche dans tous les sens hein. Oh, il utilise son typhon à zéro, mais quelle erreur, quel aveu de faiblesse même. Le losing play, on en est là. Ouais. Bon, on n'a pas encore gagné cette game, hein. Attention, on fait les malins, mais. Ouais, parce qu'on a 3-1-1 et lui il peut faire augure du soleil, il est bloqué aussi donc. Ouais. Si on avait un veto de Dovin, je me sentirais déjà vachement plus frais. Ouais. Le pouvoir de dire non à tout. Ouais. Après, vu qu'il est sauf un petit peu en. Si jamais il les joue. Il est peut-être en death. Sauf s'il trouve un land là. Non, bah, il est pas en death. Bah, on va augure. Hein. On risque ouais. Rien. Oh, le plan de jeu beatdown qui se met en action ici. Tranquilo. Mon plaisir. Ouais, j'adore quand t'as un deck mais tu fais autre chose avec. Tu vois ce que je veux dire? Ah, genre bah, t'as un deck en mode ouais contrôle, j'ai une boucle infinie pour te piquer tes trucs, les exiler, et tu mets juste quelques 1-1 et le mec les tu payes, il meurt, il fait et il a perdu contre des gobelins et des soldats. J'adore gros, ça me fait kiffer quoi. Allez, 5 points. T'aurais pu jouer ton patron gros, c'était un token de plus gratuit. Ah tu veux pas rester ça up? Ah merde, mais j'avais 6 putain. Eh oui. Bon, en vrai dans ma tête j'avais 5, du coup si je faisais patron je pouvais plus dispute pour 3 tu sais. Ouais, 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 tu pensais qu'on avait que 5 mana. Non, mais vas-y, patron, lui la tête. Je vais patron maintenant, du coup. Ouais, ouais, parce que sinon, je peux garder mon contre et faire Scry 3. Non, non, patron, lui la tête. Scry 3, Scry 2, ok. Oh, c'est mal joué, monsieur Pignon. C'est pas grave. Si jamais il nous tue et qu'il a un PV, bah. Vous mettrez pas GGPL dans les commentaires. Je pense si que on ça perd, je raconterai l'histoire rigolote. Enfin, c'est pas une histoire rigolote, mais c'est juste. C'est pas. Enfin, c'est juste. Je me suis fait absorber par le pouvoir de YouTube. Et c'est j'avais vrai. Envie de vous en parler parce que c'est vraiment tellement bien. Tu sais que c'est probable qu'on ait une vidéo qui soit un petit peu moins skill intensif juste après. Et que du coup, cette histoire sorte. Hein. Exactement. En fait, j'ai découvert une usine à punchline. Et ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Alors, dispute, il peut dispute aussi. Ouais, mais dans ce cas-là, nous derrière, on est bien. Ouais, voilà. Parce que là, du coup, il veut juste blinker pas, enfin ça et avoir un bloqueur. Ok. Ouais, c'est pas bien horrible. Et nous, on peut, si on prend un land, on a agent de traîtrise into GG. Et c'est bien ça quand même. Ouais, après, il faut trouver un land. C'est pas donné. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, il est one off là. Enfin, on est one off, pardon. Ouais. Ah bah non, si, si, on a gagné. On va faire midi Luna sur patron, ah, on a gagné. Sur... Yes! Formidable. Yes. Formidable. Et du coup, on était one off. Donc, de pas l'avoir posé, ça nous coûtait la game potentiellement. Enfin, ça nous coûtait la game. Ça faisait qu'on le tuait pas ce tour-ci, quoi. Oui, c'est vrai. Il aurait pu être one off si on n'avait pas mis Diluna. Horrible. T'imagines? Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce plan de side transformer le patron là? Bah, il est bien. Écoute. Pas mal, hein? Ouais. Il fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire il bat les mirrors. Oh, je copie Orion, voilà. Comme ça, je blink mes tokens. Ça le génie.
Attends, on vérifie. Je vais attaquer, donc il va bloquer ça. Je vais mentor sur un truc, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus le token de lui. 8, ouais, c'est bon. Vas-y, mets tout. Au pire, ça passe pas, Ceci. c'est pas grave. Mets tout, si ça passe On pas, on s'en sera juste bien. cague. On va mettre là-dessus, on s'en fout. Ouais, un gobelin, ça mentore pas un 1, autre 2, gobelin, 3, ça 4, mentore un 5, humain, 6, quoi. Il 7, faut 8. vraiment. Ouais, comme ça dit à l'humain, hey, « Hé, toi! Fais comme ceci! » Et l'humain, après, il est meilleur. Parce que les gobelins n'écoutent pas. Yes! Ah, j'adore cette game, gros. Ouais, on a été aggro. Moralité, jouer Oui. aggro, en fait. Parce que même... Je suis content que ce qu'on a voulu montrer marche parce qu'il y a plein de cas où ça aurait juste pu pas marcher, tu vois. Ouais, c'est vrai. Eh ben, formidable. Tu es repassé Diamant 4 avec deux petits trucs. Ça, c'est quand même pas mal. Cette Ah, c'est vidéo a cool. été extrêmement longue, donc peut-être qu'il y a une game que vous n'avez pas vue. En tout cas, Ouais, sachez je que la on a première. pris Jeskai, on a pris Borosycling into Obosh Mono Noir et c'était très compliqué. Donc je sais pas laquelle des deux vous allez voir. Ragdos, pardon. Ça Ouais, fait spoiler, je pense Ragdos qu'ils ont du Rakdos parce qu'au moins on a joué. Ouais. Ah, ouais, pas trop joué quand même. Hein. Je peux ouvrir un Ouais, la booster game ou 2, pas? bon, on fait la boucle de l'enfer, on fait le Genjutsu. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est Ah, vrai, on fait le attends. Genjutsu. On a plus Alors joué que qu'on la pourrait une. aussi vraiment 2 minutes. Ouais, c'était pas fou, hein. C'était vraiment Ah, on s'est fait. from 20 to 0 en un tour, donc pas ouf. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, commentaire notamment pour le petit point méta qu'on a fait au début de vidéo. Dites-nous si vous voulez ce format-là, si vous voulez une autre vidéo à part, etc. Blablabla. Vous connaissez les bails. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Twitter, Twitch, Twitter, Facebook, Discord, dans la description avec notre chaîne Twitch, ValpelmagicArena.fr, surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci.